L'ouragan Beryl a touché terre pour une troisième fois ce lundi 8 juillet. Après les petites Antilles et la péninsule du Yucatan, c'est au tour du Texas de voir vraiment l'ouragan arriver donc à 5h du matin lundi 8 juillet du côté de Matagorda. On parle de vents soutenus jusqu'à 130 km à l'heure, donc c'est un ouragan de catégorie 1 qui a touché le secteur du Texas. Donc on peut s'attendre à des inondations avec la pluie attendue d'ici mardi jusqu'à 300 mm de pluie par endroit, risque de glissement de terrain. Il faut ajouter à cela aussi les zones de tempête qui peuvent atteindre par moment vers les côtes du Texas jusqu'à 2 mètres. Donc après, on peut voir les restes de ce système tropical qui vont remonter vers le secteur du Québec, même si la trajectoire demeure encore incertaine.